Salut Station Fréquence, les bonnes soirées. Ah zut. Salut Station Fréquence, les bonnes soirées, c'est côté à vous tous de la part de Dandy 33 pour le QSO national du canal 27. Alors on est le samedi 10 septembre 2016. Avant que tout le monde arrive, petit rappel, alors à chaque fois cette première demi-heure de QSO est filmée. Alors le but est de redynamiser, de promouvoir, redynamiser, de booster les OM sur les autres départements pour en faire autant, car le but de ce QSO n'est pas de faire du DX, quoique si ça se propose, eh bien, il n'y a pas de problème, on fera avec, Hachi, mais c'est surtout et avant tout pour rebooster les QSO locales. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? Ok, les 73 Eric, eh bien, la voix des ondes à la migré dehors pour être un peu plus au calme à cause de ma grande gueule à chaque fois que je prends le micro. Hachi. Affirmatif, et je salue aussi les autres stations s'il y en a qui sont derrière, voilà. Et oui, je pense que si tu as l'horaire des euros esquises, elle va te dire enlever. Ah, c'est vrai que à chaque fois, je sais pas pourquoi, dès que je prends le micro, il faut que je monte le volume, pas le volume de la station, mais mon volume à moi, quoi. Hachi. Pas de soucis, allez, je te retourne le micro, puis on va essayer du monde. Coucou. Coucou, les 73 Michel. Les images. J'y retourne parce que j'ai vu ton message de cet après-midi hein, là à propos du club et bah, j'y retourne de suite. Alors, les images c'est sur email, sur ton email personnel. Gmail ou Hotmail? Ah ok d'accord, ouais parce qu'effectivement là je viens de me connecter là sur le forum et ok j'ai pas de message. D'accord ok, et eh bien je vais me connecter de suite. Je vais te faire une confidence, comme j'arrive pas à les envoyer sur ton forum, je vais te les envoyer comme ça, après 4 forages de que tu auras, et le papier fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas tout. Oui Eric, j'ai gravé à mon groupe d'Alfa Romeo, les trucs de notre ami Rémi, pour qu'il vienne les voir. Alors il m'a répondu, non, et puis viens, on va signifier, on va vous répondre. Alors j'attends la réponse, et les Alfa Romeo sont réveillés, ça risque de faire des appels un petit peu tout à l'heure. Mais enfin bon. Pas tout le monde avec le feu de propagation qui y a, hein. Retour à toi, Eric. Ok, Mimi, pas de problème, sans problème, voilà, ok. Voilà, voilà, j'espère que ça, depuis tout à l'heure, ça va. Voilà, voilà, et puis, je sais pas s'il y a du monde derrière, mais je vais laisser un petit blanc, et puis, les stations, s'il y en a qui veulent participer au QSO national. À l'avant, les stations, retour à vous. J'espère que tu vas bientôt aussi, mais bienvenue, voilà, pour ce soir, mais je vais retourner le micro à la tour de contrôle, voilà, toi Michel, il y a Christophe de la Loire. Et j'attends Christophe, les 73-51 à lui, et puis j'espère que tout va bien de son côté. Je ne suis pas tiré bien derrière, ce qu'il faudrait comprendre. On va laisser un petit blanc au cas où une autre personne se signalerait. Après quoi, Rémi, tu repasses.
Ok, les 73, Christophe, en espérant que tu ailles bien. Michel, tu parles de propague. Aujourd'hui, il y en a eu de la propague. Là, la mi-journée, une bonne partie de l'après-midi, ça y allait, mais ça tournait un peu en tous les sens, puisque là, j'ai fait un petit contact un petit peu improbable sur le 555. Enfin, je suis pas allé au-delà, puisque lui parlait anglais et moi, je parlais français. Alors évidemment, c'est un petit peu un langage de sourd. Attends, tu as dit la division 167 ? Non, je dois avoir la langue qui a fourché. Alors je disais que la propague, aujourd'hui, il y en a eu. Ça tournait un petit peu dans tous les sens, vers le sud, vers le nord, ça naviguait un petit peu dans tous les sens. Ah mais j'ai entendu l'Amérique du Sud. L'Argentine, oui c'est ça, j'ai entendu l'Argentine. Bon évidemment, l'Espagne, Portugal, le côté nord aussi, les pays nordiques, ça passait un petit peu, ça passait quand même assez bien malgré tout aujourd'hui. Hein, puisque là, midi moins le quart, j'ai parlé très vite fait là, mais ça a été très rapide là sur le 555 avec un homme qui parlait anglais. Bon, c'était un contact un petit peu improbable parce que lui parlant anglais et moi français, forcément ça tournait court. Mais ça passait bien aujourd'hui quand même. Mais je t'ai entendu sur le 555 et j'étais parti d'Éric Carrier. Et puis moi j'étais aux aguets et justement pour la division 165 et éventuellement la mi-jour, je l'ai dit pour ce soir. Et comme chez moi il arrivait 20h30 par moment, avec sa petite antenne qu'il a fabriquée lui-même, je lui ai donné l'adresse de ce soir, avec éventuellement les reçus. Il m'a dit, j'essaierai entre 21h15 et 21h30. Alors, pour vous, il est la division 165. D'accord, ben c'est quand même pas mal ça. Bon, c'est pas loin. Je suis sur Gmail. Je n'ai aucun courrier de toi. De toute façon, que ce soit Gmail ou Hotmail, à chaque fois ça commence. Je sais même plus comment. Oh merde. C'est quoi mon adresse ? Ah oui, non, d'accord, c'est vrai que c'est... Dandy33FR, que ce soit Gmail ou Hotmail, de toute façon, à chaque fois, ça commence par Dandy33FR. Et je n'ai rien de... J'ai aucun email de toi, Michel. Ah, mais moi, il me dit que ça a bien été expliqué, alors je ne sais pas. Oui, le 165, c'est la Sardaigne. Désolé pour mon ignorance. Au début que j'ai pris le micro, je vais retourner les bandes 73 en lui demandant s'il allait bien. Ok, retour au Christophe. Quelqu'un à l'écoute, retour à vous.
Ok, et ben justement, quand j'ai entendu l'Amérique du Sud, là j'étais en mobile. Et pour dire à quel point ça passait bien, puisqu'on s'est promené là au magasin Homme Moderne à Libourne, putain, même à côté de moi j'entendais parler anglais, quoi. Hachi trois coups. C'est Michel qui parle là, salut les amis. Bonsoir, bonsoir, 73. Salut les concubontés, salut Jeannot, salut Christian, les invités à vous deux, voilà, donc il y a mes tours de contrôle, il y a Christophe de Langoire, et il y a Rémi, et puis moi-même, bon, voilà. Donc je retourne à Jeannot, et puis tu vas tourner Jeannot. Ok, les 73 Jeannot, les 73 Christian, Christian, il y en a plusieurs, 14 Echo 43, c'est bien ça? Ah non, c'est pas Villeneuve d'Ornans, près de Jeannot Tokimon, c'est 14 Rémi, November Victor, 159, tu vois, c'est pas le même OM, voilà, que tu as cité, ok Rémi, tu étais là? Ok, voilà, attends, 14, attends, vas-y, tu mets November, je sais plus. Oui, c'est ça, 14, November, Victor, 159, voilà, j'étais un peu plus lent, ok Rémi. Ok, 14, November, Victor, 159, ok, merci Christian, des bonnes 73 à toi, comment vas-tu? Ouais, c'est correct, mais ça va bien, ouais, bonne soirée à toi Rémi, j'espère que tu vas bien, il y a un petit moment que c'était pas écouté. Cet hiver, davantage, là, quand bataille avec le Canada, les petits cousins, les amis, toute l'équipe, là, ok Rémi. Pour cette année, c'est pas gagné, vu comment s'annonce la propague, là. J'ai l'impression qu'on est plusieurs à penser qu'on serait bien un peu dans le creux de la vague. Quoique des fois on a des surprises, puisqu'il y a, quelques mois de ça, j'ai entendu dire qu'on aurait peut-être une propague à double effet, hein, là pour ce cycle. Alors je sais pas. Moi j'y connais rien dans ce domaine, mais on verra bien. Ok, il n'y a plus qu'à attendre, on verra bien. Oui, cet hiver, on s'est amusé un peu, tout petit peu. L'hiver d'avant était meilleur en 2014, Rémi. Il y avait des journées pas mal, hein. Ah, ouais, non-stop. Bon, mais voilà, c'est comme ça, hein. Faut faire avec, il n'y a pas le choix, Rémi, tu le sais. Bon, mais tu envoies sur Christophe, tu as dit Langoire, de ton côté Bordeaux, ok, Rémi? Ok, retour Christophe. Oublié là, les amitiés là, comment tu vas Michel depuis hier soir?
c'est vrai qu'on a passé un très bon moment là, dans la soirée là. Excuse-moi Michel, tu vois, j'arrive à me tromper. Hein. Oui, mais Jeannot, fais attention, hein, parce que maintenant, dans les temps qui courent, on n'excuse plus, on supprime. Allez, ton ami Cocalan, Rémi, je te l'ai renvoyé, c'est un hot mic. Mais par contre, je l'envoie toujours en CCI, c'est-à-dire que t'as l'expéditeur, mais il n'y a pas le destinataire sur la fiche, enfin, ouais. Principe de précaution. Mais là, je te l'ai renvoyé, ils me disent bien que c'est parti. Alors, c'est à ce que tu m'as dit, hotmail.fr. Ok, Hotmail, la même chose sur Hotmail, je vais voir de suite. Michel, tu vas bien? Ah mon gars, si tu savais, pour aller ça va, le problème c'est pour venir. Ah oui, oui, d'accord, je te comprends Michel, le plaisir c'est pour venir. Bon, je vois que ça va pas si mal que ça et que t'as encore la pêche Michel ce soir. Oui, attention, oui là, la station qu'a parlé derrière, retour à vous. Oui, le département 01 pour le département 33, retour à vous. Je suis à la directive, mais je ne suis pas vers le 01, parce que le 01, c'est le nord-est, ça, non? Affirmatif. Ok, sauf que moi j'ai pas du tout entendu. Attention, la station du département 01 pour le QSO national du sud-ouest, le QSO national, QSO du canal 27 national du sud-ouest. En avant. Ok Michel, j'ai ton email. Il regardera sur les photos et compagnie. Ouais, j'ai déjà, je l'ai vu là tout à l'heure, j'ai déjà récupéré celle avec l'antenne active, là qui est devant le camion. Je l'ai réutilisé justement, je l'ai mis sur forum dans les antennes mobiles, où j'ai une rubrique justement spéciale pour ce type d'installation. Ok d'accord, par contre j'aimerais bien les afficher toutes, parce que là j'en vois quoi, 3, 1 quart et encore, 3 sur, celle avec toutes les antennes sur le push, je l'ai, ok, c'est bizarre, la suite, est, je vais voir ce que je peux faire pour essayer de toutes les avoir. Bah, c'est pas grave, de toute façon, vu la propagande qu'on a en ce moment, y a rien d'étonnant, hein. Ça, c'est très sporadique. Hein. Bah, c'est
plaisanter parce que 201, on a tourné, je suis tourné. En fait, c'est quoi? C'est tellement bizarre la propagation. Ah, il y a quelqu'un. Bon, il y a le bruit qui est en train de monter. Avant qu'on ne s'entende plus, je viens de regarder un petit peu. Sur le 27-270, on pourrait tous la faire QSY en Lima Sierra Bravo. 27-270 en Lima Sierra Bravo, si tout le monde est d'accord. Ok, okay, c'est parti. Voilà, qu'est-ce que c'est? Je viens d'entendre un truc, c'était pourtant calme, propre, là, juste avant. Ok, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est toi, le vélo? Ah ouais, je suis là. Ok. Mais ça passe plus fort, ouais. Et Christian, il a suivi? Christian, t'as suivi? Il a dit qu'il pouvait venir, alors je ne sais pas. Ouais, ça faisait un petit peu bizarre là. Affirmatif. Ouais, je suis là. Oui. Tu m'entends correctement, c'est pas la même modulation qu'en USB. Ouais, bah de toute façon, là, je me suis recalé sur tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Ça change d'audio par rapport à USB, Rémi, non? Ouais, un petit peu. C'est pour ça que là, j'ai joué un petit peu du clarifieur, et puis voilà, ça y est, c'est réglé, quoi. Temps en temps, moi j'y suis venu une fois, oui, un petit peu, j'annonce, il y en a, hein.
quand tu y passes dessus, ça ramonne un peu quand même. Hein. Ça fait du bruit. Ça marronne, ça fait comme l'orage, ça marronne sur la fréquence. Oui, ça marronne, oui, ça toi Michel. Par contre, l'animation, bravo, on va beaucoup plus loin et en distance. Alors, si vous laissez, bon, quand on se trouve en directive, avec les copains, on essaye des fois la FM, ça passe pas mal à FM aussi. Il faut avoir à peu près la même distance et puis surtout être en directive tous les deux, parce qu'autrement après, le relais, on ne sait pas toujours évident avec les cracottes. Mais par contre, l'animation, là, bravo, ça porte beaucoup plus loin et le signal est plus fort, hein. Alors, par contre, j'ai appris cet après-midi que nos petits cousins canadiens, une partie de nos petits cousins canadiens, ont l'habitude d'hiver, quand ça se passe bien, leur canal s'appelle 27 260 livres à l'uniforme, Sierra Bravo. Alors, on va les attendre pour les accueillir. Tu peux me redonner la fréquence, Michel ? Et on est là, mais on est élevé, c'est leur fréquence d'appel, et entre eux, j'étais avec mon ami du Québec-Canada sur Skype, alors quand je lui parlais, putain, mais vous êtes là, 275, ben, vous allez être à côté de nous, on va s'emmerder, mais là, on viendra vous trouver, on viendra vous trouver. Ah ben c'est bon ça, c'est génial, c'est justement notre fréquence de dégagement pour mieux s'entendre et c'est en même temps leur fréquence d'appel entre eux au Québec. Putain, c'est génial ça. Oh oui, je sais, j'ai remarqué. C'est grâce à toi que le nombre d'OM sur ce QSO a augmenté. Merci. Ça, sur le 625 aussi. Et sur le 440 aussi. Non, non, mais il y a un petit groupe qui vient sur celui-là. Alors les autres qui vont plus haut, mais on les contactera la journée. Mais le soir, le petit QSO du soir, comme nous le faisons, pour eux, entre eux, c'est cette fréquence-là.
6 station, 316 again. Good evening, Jack. Thank you for the call. 14 Alpha Radio 316. I am 108 to the Delta 030. My name is Ian, Echo Alpha November. My name is Ian, Jack, and you're 5-9 plus, correct?